pour rebondir sur la situation économique de la Tunisie. Donc on fera un taux de croissance apparemment nul, 0%. On parle même d'un taux de croissance négatif de moins 0,5%. Donc il va y avoir une destruction de richesses cette année, alors qu'on faisait des taux de croissance autour de 4-5%, des moyennes de 4-5%. Voilà. Il y a eu un tableau noir qui a été dressé de l'économie tunisienne, qui était un tableau fallacieux. Fallacieux, qui n'a aucun fondement et aucun sens. Ils doivent aujourd'hui se tenir à leurs responsabilités, parce qu'ils ont menti. Ils ont menti à l'opinion publique. Il y a eu un problème de répartition de la richesse. Il y a eu une création de valeur, mais il y a eu une mauvaise répartition de la valeur. Une répartition qui n'était pas judicieuse. Ils en profitaient plus que d'autres.